Ces visiteurs d'Océanopolis sont chanceux. Un papillon morpho est descendu volter parmi eux pour faire admirer ses ailes bleues. Car pour apercevoir ces éphémères créatures, il faut souvent tendre le cou et bien ouvrir les yeux. Il y a des belles couleurs, il y en a plein là. J'en vois même à l'œil nu. Des fois, c'est même plutôt mieux de les voir à l'œil nu qu'avec les jumelles. De se retrouver parmi la nature avec des papillons, c'est un autre décor tout à fait différent et sympa à voir aussi. Et moi, j'adore les papillons, donc c'est chouette. Parce qu'en fait, les papillons vont communiquer par leur couleur. Ils ont des petites écailles sur le dessus, sur les ailes. Donc, il ne faut pas les toucher parce qu'il ne faut pas abîmer leur couleur. Sinon, après, ils auront du mal à trouver un fiancé. Et puis, en plus, ça abîmerait leurs ailes. Ils auraient du mal à voler après. Comme l'an dernier pour les fêtes, l'aquarium brestois a commandé plusieurs centaines de chrysalides à un élevage du sud de la France. Il en sort jour après jour des papillons d'une quinzaine d'espèces originaires d'Amérique du Sud. Ils cohabitent avec les piranhas et les raies d'eau douce hébergés à l'année dans la serre tropicale. Ça fait partie de la biodiversité et de tout ce qui est magnifique, qui donne envie de protéger aussi cette nature très riche et fragile. Donc voilà, en émerveillant les visiteurs, on essaie de les sensibiliser aussi à ces animaux qui sont très fragiles avec tous les produits qu'on utilise pour l'agriculture et autres. Voilà, c'est un message qu'on essaie de faire passer en tout cas. L'animation Océan de papillons sera proposée jusqu'à dimanche. L'aquarium fermera ensuite ses portes pour un mois de travaux d'entretien, un lifting annuel indispensable pour continuer à émerveiller.